intéressé. Mais il était un peu blacklisté quand même. Il était pas blacklisté. D'ailleurs, on va retrouver les deux frères ennemis dans quelques minutes. Mais d'abord, la chronique QWERTY, donc Jean-Baptiste Souffron, cette fois-ci, télévision, la meilleure série du monde. Et la meilleure série du monde est Jean-Baptiste. La meilleure série du monde est The Last Enemy, TIA is Tomorrow. Est-ce que vous connaissez le groupe Article 29 autour de la table? Non, je pense que... Il est avocat. Si peut-être Abdel connaît le groupe Article 29, parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Je m'écoute parler tout seul dans mon bureau. Le groupe Article 29 a été créé, je suis obligé d'expliquer un peu, par la directive 95-46-CE consacrée à la protection des données personnelles des citoyens de l'Union européenne. Alors pourquoi protéger les données personnelles, la vie privée des citoyens de l'Union européenne? En France, c'est quelque chose qu'on sait depuis 1978, c'est la fameuse loi qui avait créé la CNIL. Il n'est pas bon que n'importe qui connaisse vos opinions politiques, votre état de santé ou vos convictions religieuses. La collecte de ces données est interdite. Mais que se passerait-il si demain ou la semaine prochaine ou dans un an, cette législation évoluait? Que se passerait-il en fait si le gouvernement devenait soudain capable de croiser vos données et de faire le rapprochement entre, c'est pas très grave peut-être là, entre votre facture Canal+ et le fait que vous ne payez pas la redevance télé. Ou bien, et c'est plus grave, entre le fait que vous soyez enseignant à l'université ou présentateur à la radio et la liste des livres de Marx que vous avez emprunté cette année à la bibliothèque, ou bien les fameux livres, ou bien les livres bizarres que vous avez achetés sur Amazon. Alors cet univers dystopique, c'est celui de The Last Enemy, la nouvelle série d'espionnage de la BBC avec notamment Robert Carlyle, Max Beasley, Benedict Cumberbatch, dans lequel un génie des mathématiques est contacté par le gouvernement pour l'aider à mettre la dernière main à un Big Brother informatique, un TIA pour Total Information Awareness, système de connaissance complète de l'information sur les gens, sous-entendu. Alors, le sous-titre du show, le sous-titre de la série, c'est TIA is Tomorrow, TIA c'est pour demain. La problématique, en fait, n'est pas vraiment nouvelle. Bon, on peut citer Orwell, bien sûr. On peut même citer des auteurs plus science-fiction comme The Shockwave Rider de John Brunner et bien d'autres. Mais ce qui fascine dans cette chronique anglaise, c'est le réalisme des éléments qui y sont décrits petit à petit. Alors bien sûr, il y a d'abord un réalisme technique. La majorité des choses qui sont présentées sont déjà quotidiennes ou quasi quotidiennes. Les interfaces de contrôle qui sont utilisées par les gens qui font ces recherches sur les ordinateurs du gouvernement n'apprendront rien à ceux qui connaissent Google pour les plus simples, voire Mahalo pour les utilisateurs les plus avancés. Les fonctions qui sont introduites existent aussi déjà en partie grâce à des sites internet comme Spock, que peut-être certains connaissent, et qui réalisent un mash-up sur le nom des gens en prenant des informations tirées de Wikipédia, de Facebook et de LinkedIn et en les mettant ensemble. Par exemple, vous, Laurent, vous avez sans doute une page sur Spock avec des informations qui sont tirées du site de France Culture, de Wikipédia, de votre page professionnelle, de tout ce qu'ils ont pu réussir à trouver pour le mettre public. Et naturellement, grâce à Google Maps, plus personne ne sera sur de voir des méta-éléments issus de bases de données externes s'afficher sur une carte routière en mouvement. Mais ce qui est le plus fascinant, en fait, c'est pas du tout ce réalisme technique des événements qui se déroulent comme ça, c'est la façon dont politiquement on refait l'arbitrage entre la protection de la vie privée, les impératifs d'une vie démocratique, les éléments constitutifs de la liberté de conscience, et la façon dont au final on instrumentalise politiquement les faits divers et les enjeux du terrorisme aussi. Passer le charme de la qualité du science, comment est-ce qu'on pourrait dire en français, du science design, Design. Alors on va le dire en anglais. Voilà. Du design des interfaces, de la façon dont c'est bien rendu. Rien n'est plus intéressant que les débats politiques qu'on voit se dérouler entre Robert Carlyle et des différents intervenants dans le secret des cabinets anglais. La manière dont les décideurs refont ces grands débats qui avaient déjà eu lieu dans les années 70. Alors je veux pas déflorer le scénario, mais il s'agit d'un roman d'espionnage de science-fiction assez classique et très bien écrit, donc je ne vais pas raconter l'histoire. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que The Last Enemy a l'intérêt d'appuyer là où ça fait mal. Sur les toutes petites choses qui ont évolué depuis les années 70, par petites touches subrepticement, la Grande-Bretagne aujourd'hui est couverte par des caméras de surveillance partout. C'était quelque chose qui avait disparu du paysage anglais autrefois, mais là, les Anglais s'apprêtent à réintroduire la carte d'identité électronique cette fois-ci. Les États-Unis, depuis à peu près 6 mois, on en avait d'ailleurs parlé ici, sont en train de voter. C'est une guerre au niveau du Parlement dont on parle peu, mais c'est vraiment une bagarre. Le FISA Act, pour quoi faire? Pour accorder l'immunité aux opérateurs de téléphone qui auraient aidé le gouvernement à faire des écoutes illégales sous prétexte de terrorisme. Ça rappellera des choses à certaines affaires de l'époque Mitterrand, mais à l'époque, des gens avaient été condamnés en France. Là, on est en train de voter une loi leur accordant l'immunité.
Alors tout ça pour dire en conclusion que le problème, enfin le problème, la beauté de The Last Enemy, c'est que c'est une série de science-fiction qui raconte des choses étonnantes, mais de façon surprenante et inquiétante, ça n'est peut-être pas une série de politique fiction. Je m'attendais à une blague pourrie.